people. It's huge. It's huge. What you see here is definitely the biggest gathering of people I've seen on the streets, taking to streets in protest against jihadism and against Islam. The organisation is called Football Lads Alliance. This is massive. I think you're seeing the birth today of a huge organisation in the UK, which is historic as well, because you've got football fans putting away their rivalries, teams that despise each other, supporters that despise each other, putting away their rivalries for the greater good and for the love of their country. There are tens of thousands of people here today. And this has the power to spread across the whole of Europe, with football supporters who are already organised joining together in opposition to what's happening to our country. There's no flags, there's no racism, there's no chanting, there's no beer. You've got a massive... The national anthem was as the crowds walking past. It is history in the making, because this is the first time that football supporters have put away their rivalries and combined together. It's a historic day. It's a historic day, and it's a massive movement. You're seeing the birth of a new organisation. People are actively targeting and killing our children right here in the UK. I'm not making it up. They're not caught in the crossfire. The people that went into that arena in Manchester specifically picked it because there would be children there and they would be able to kill them, and they did it. Sir Winston Churchill. The cheer alone says 1,000 words. But he said, "We shall defend our island whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields. And in the streets, we shall fight in the hills, and we shall never surrender." Wherever people are marching against extremism or reacting against extremism, I'll be amongst them. You know, I come from Iran, which was a secular country until 1979, and then it turned into an Islamic state. I saw the left in Iran going into bed with the Islamists, and then the Islamists taking over, and the first victims of the Islamists were actually the leftists themselves, like, you know. But they don't seem to learn from that. Red pill, Phil. Tell me, because I'm here to... Bonjour à tous. Le 7 octobre 2017, certains leaders de mouvements d'extrême droite anglais s'étaient concertés pour organiser une manifestation à Londres pour dénoncer l'extrémisme islamiste. Selon les organisateurs, cette manifestation aurait rassemblé environ 40 000 personnes. Tommy Robinson, qui est journaliste, avait décidé de couvrir cette manifestation en en faisant un reportage qui, bien entendu, sera diffusé sur les chaînes officielles. La Grande-Bretagne est un pays qui avait été affecté par la crise économique de 2008, hein, tout comme l'Italie, l'Allemagne, la France, hein, et la France. Et vous remarquerez que le dénominateur commun de ces pays, c'est qu'on y assiste à une montée du populisme qui se traduit par une exacerbation de l'étranger en général et du musulman en particulier. Ces différents pays européens sont tombés sous le contrôle de puissantes oligarchies qui orientent désormais la politique économique et surtout celle de la politique intérieure du pays. Sachant que la crise économique affecte le pouvoir d'achat de leur population et que le mécontentement populaire allait croître, ben, il fallait pour toutes ces oligarchies fabriquer un bouc émissaire vers lequel on orientera tout ce mécontentement populaire. Les attaques terroristes de Daesh dans ces pays étaient autant d'opportunités apportées à ces oligarchies régnantes pour mettre en œuvre leur politique de diversion qui consiste à orienter le mécontentement populaire vers un bouc émissaire qui, en règle générale, ici est le musulman. Et comme toutes ces oligarchies ont progressivement pris le contrôle médiatique de leur pays, ça devient facile pour elles de conditionner des peuples en leur diffusant régulièrement des reportages ou flash info dans lesquels on stigmatise le musulman en le désignant comme le responsable de tous les maux de la société. Bah, dans beaucoup de ces journaux télévisés et reportages, on met en avant le danger du terrorisme islamiste pour obtenir du peuple l'autorisation de légiférer sur plus de lois sécuritaires. Par exemple, ce Tommy Robinson, qui a décidé de faire un reportage sur cette manifestation, joue ce rôle en réalité. C'est qu'on vous fabrique des sujets et des faits pour vous passionner et vous détourner des vrais problèmes sociaux du pays. Parce que, comme je viens de le dire, dans beaucoup de ces journaux télévisés et reportages, on met en avant le danger du terrorisme islamiste.
pour ensuite obtenir du peuple l'autorisation de légiférer sur plus de lois sécuritaires. Et pendant qu'on vous passionne avec des sujets qui sont liés à la communauté musulmane, on occulte les vrais problèmes sociaux du pays qui sont dus principalement à l'injustice d'un système économique capitaliste qui ne profite qu'à une minorité agissante, qui est, comme vous le savez, l'oligarchie. En France, on a une très belle oligarchie qui a permis l'élection de notre président Macron, qui, comme vous le savez, est un homme de gauche avec une idéologie de droite. Je dirais, surtout que les socialistes ont intégré un homme de droite dans leur gouvernement. Puisque, comme vous le savez, Macron travaillait dans les banques. Donc, je ne vois pas trop ce qu'il y a de social dans ses activités. Ce qu'il y avait de social dans ses activités. Mais bref, l'oligarchie a préféré l'installer au pouvoir. Suite à cette surenchère médiatique qui est faite autour des attaques terroristes qui sont perpétuées par Daesh, nos oligarchies régnantes, du moins les oligarchies régnantes, exaltent en vous les passions les plus extrémistes et surtout xénophobes. C'est ainsi que le 10 mars 2018, des lettres anonymes reçues au Royaume-Uni dans les villes de Cardiff, Londres, Bradford, Sheffield et Leicester et signalé par une association de défense de la communauté musulmane, appelait à célébrer le Punish au Muslim Day, c'est-à-dire à punir un musulman le 3 avril 2018. Particulièrement violent, les moyens proposés par cette lettre pour punir les musulmans britanniques sont présentés sous forme d'un jeu. 50 points, par exemple, pour une attaque à l'acide contre un musulman, 1000 points pour une attaque à la bombe sur une mosquée et 2500 points pour quiconque mènera une attaque nucléaire sur la Mecque. Vous voyez un peu le délire de ceux qui envoient ce genre de missives, mais bon. Le courrier proclamait également « Ils vous ont fait du mal, et ils ont fait souffrir vos proches, ils vous ont causé de la souffrance et de la peine. Qu'allez-vous faire pour y remédier ?» Les moutons suivent les ordres et sont faciles à manipuler. Ils permettent que les nations d'Europe et d'Amérique du Nord, majoritairement blanches, soit renversé par ceux qui ne souhaitent rien de mieux que de nous faire du mal et de transformer nos démocraties en état policier sous l'emprise de la charia. Une enquête a été ouverte quand même par la police du West Yorkshire et la métropolitaine de Londres afin de déterminer l'origine de ces lettres, surtout de ces menaces envoyées à l'encontre de la communauté musulmane britannique. Dans ce courrier de menaces qui auraient été envoyées à plusieurs familles musulmanes, les auteurs du courrier mettent l'accent sur le fait que les islamistes souhaiteraient transformer les démocraties en état policier sous l'emprise de la charia. Pensez-vous vraiment que le système économique capitaliste qui régit toutes nos nations européennes depuis plus d'un siècle avait attendu les attaques terroristes de Daesh de ces dernières années pour fabriquer des états policiers? Au début du siècle, quand les anarchistes européens s'attaquaient à l'idéologie capitaliste en mettant des bombes dans des endroits bien précis, ils étaient tout aussi réprimés, ne l'oubliez pas. Dès l'instant où une bourgeoisie capitaliste s'installe à la tête d'un pays, celui-ci s'empresse immédiatement de développer une politique ultra-sécuritaire. Et cela afin de mieux protéger les intérêts de cette bourgeoisie capitaliste. Et n'oubliez pas une chose. C'est lorsque la révolution industrielle s'était enclenchée au XVIIIe siècle, elle s'était surtout accélérée grâce à l'invention de la machine à vapeur, la noblesse d'antan, c'est-à-dire qui était monarchiste, qui côtoyait les monarchies, s'est immédiatement convertie dans ce capitalisme industriel. Donc c'est cette même bourgeoisie issue de la noblesse monarchiste qui va devenir les bien-pensants de l'oligarchie qui va apparaître à partir de la révolution industrielle. Donc, inutile de vous dire que cette bourgeoisie avait déjà des affinités avec le pouvoir étatique. Je dirais à ceux qui disent que les islamistes souhaiteraient installer un état policier sous l'emblème de la charia. Ce ne sont pas vraiment les attaques terroristes de Daesh qui transforment nos démocraties en état policier, mais ce sont plutôt les oligarchies régnantes et leur gouvernement qui exploitent les agissements terroristes de Daesh pour légiférer sur plus de sécuritaires. Vous voyez un peu la nuance quand même.
L'oligarchie fait croire que c'est à cause des islamistes que l'État devient très sécuritaire. Mais alors qu'en réalité, c'est le contraire. C'est cette oligarchie qui exploite les attaques terroristes pour faire plus de sécurité, hein, plus de sécuritaire afin de se protéger encore mieux en cas de révolte. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, hein, cette politique ultra-sécuritaire n'est pas faite vraiment pour vous protéger, elle est faite pour protéger les intérêts de l'oligarchie. Hein. Puisqu'en période de crise, tout débordement ou révolte risque d'inquiéter cette oligarchie. Donc elle préfère anticiper et commencer à voter des lois pour se protéger. Et surtout, légiférer sur plus de sécurité, c'est-à-dire vous n'aurez plus le droit de critiquer telle ou telle chose, donc vous serez amené à ne plus rien faire contre l'injustice que va générer ce système économique. Et je vous le précisais dans d'autres vidéos, le diable stimulerait les chefs de Daesh pour qu'ils organisent les attaques terroristes sur le sol des pays européens, afin de mieux stimuler le développement d'une politique ultra-sécuritaire. Et pourquoi ferait-il cela, le diable? Ben, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, le diable en fait ciblerait ce fameux mystérieux grand monarque. Car ce mystérieux grand monarque que la Bible appelle l'Antéchrist sera l'initiateur des révolutions qui mettront à mal le pouvoir des oligarchies en Europe dans le futur. Oligarchies qui, comme vous vous en doutez, servent en fait les intérêts du diable sur Terre, hein, puisqu'elles légifèrent pour garantir cet idéal de la perversion qui est le propre du diable. Hein. C'est par l'intermédiaire de cette oligarchie et de la franc-maçonnerie qui l'accompagne, que le diable peut faire légiférer des lois telles que celles qui légalisent le mariage gay. Et plus tard, l'autorisation, cette loi qui autorisera d'euthanasier les personnes âgées, hein, qui ne servent plus à les intérêts marchands de notre société de consommation. Certains vont me dire, ah non, c'est pas possible d'euthanasier les personnes âgées. Ben, jusqu'à présent, vous avez, les lois sur l'avortement ont été votées, la loi sur le mariage gay a été votée. Vous avez beaucoup de lois qui passent, hein, elles sont votées et vous ne réagissez même pas à la loi sur le travail. En France, qui servait les intérêts du patronat est passé, malgré que les ouvriers soient majoritaires dans ce pays. Hein, on ne comprend pas vraiment comment cela se fait-il que la majorité ne puisse pas avoir des lois qui serviraient ses intérêts. Parce que la bourgeoisie patronale et l'oligarchie ont pris le contrôle de vos médias, donc ils vous conditionnent en conséquence. Hein. Et c'est pour cette raison que vous êtes mal informé et très très mal orienté, hein. J'allais dire politiquement en parlant. Même pour les élections, ils choisissent les candidats vers lesquels vous allez aller voter. C'est pour vous dire, hein, vous ne réfléchissez même plus à ce que vous votez de toute façon. Par contre, quand on vous parle de certains faits qui gravitent autour de l'immigration, hein, le voile islamique, le halal, les prières de rue, ben là, ça y est, tout le monde bondit. Oui, il faut légiférer, oui. Et pendant que vous vous battez des pieds et des mains, ben, l'oligarchie continue de générer cette injustice, hein, et de vous soutirer encore plus d'argent. Mais bon, tant que ça continuera comme ça, ben, vous continuerez à hurler dans le vide. Hein. Sachant que l'Antéchrist entrera en conflit avec toutes ces oligarchies, pourquoi donc nous fait-on croire qu'il servira la cause du diable sur Terre? Oui, parce que quand on parle de l'Antéchrist, vous aviez bien remarqué que l'Antéchrist, on nous le présente comme un être maléfique, hein, qui va être le bras droit du diable dans ce monde. Le diable étant le prince de ce monde, il n'a pas vraiment besoin d'une autre personne pour accentuer cette emprise maléfique sur le monde. Hein. Je crois plutôt que cet antéchrist n'arrangera pas ses affaires car il s'attaquera aux piliers qui permettent au diable de convertir les esprits. Je parle de ce système ultralibéral que vous appelez la démocratie et par l'intermédiaire duquel les oligarchies régnantes se permettent de faire légiférer par le législatif tous les péchés que les religions avaient toujours condamnés. Ben voilà, maintenant vous comprenez pourquoi on vous oriente, les oligarchies par l'intermédiaire de leur réseau médiatique vous orientent. Contre le musulman. C'est-à-dire, ils fabriquent le bouc émissaire qui va leur permettre de détourner le mécontentement populaire. Puisqu'à l'origine, l'injustice sociale dans ce pays est générée par le système économique capitaliste. Comme l'oligarchie vit avec ce système et profite de ce système, elle va tout faire pour que vous vous révoltiez pas contre. Et on va vous mettre le bouc émissaire. Si l'immigration musulmane n'était pas en Europe, vous auriez trouvé un autre bouc émissaire. Hein. Ne vous faites pas d'illusions. Hein. Parce que là, c'est tombé sur le musulman. Et les attaques de Daesh permettent, entre autres, à ces oligarchies de légiférer encore sur plus de sécuritaire.
Et bon, concernant Daesh, comme je l'ai souvent dit, Daesh, on nous fait croire que c'est un groupuscule islamiste, mais non, Daesh, c'est tous les. Comme je l'ai dit, lorsque l'armée américaine a envahi l'Irak, elle a destitué la minorité sunnite qui gouvernait le pays. C'était cette minorité sunnite dans laquelle faisait, du moins, Saddam Hussein faisait partie de cette minorité sunnite. Et lorsque la majorité chiite a pris le pouvoir en Irak, bah, cette minorité sunnite était tellement frustrée lorsqu'ils ont vu Daesh arriver. Ils ont vu Daesh, c'était des Irakiens hein, qui luttaient pour la cause islamiste, soi-disant. Et bah, tous ces officiers, ces milliers de militaires se sont empressés d'aller rejoindre Daesh. Et avec eux, bah, ils ont ramené leur armement. Hein, ils ont ramené leur armement pour faire la guerre. C'est pour cette raison que les médias sont surpris de la vitesse avec laquelle Daesh a repris des pans entiers de l'État irakien. Mais non, c'est que les chiites qui venaient de prendre le pouvoir n'avaient pas encore réorganisé leur armée. Alors que les sunnites qui composaient l'armée de Saddam, eux, avaient déjà caché toutes ces armes lorsque les Américains sont arrivés. Ils n'ont fait que récupérer cet armement et ils ont bondi sur les casernes. C'est pour ça que les pauvres militaires qui étaient là ont vite fui devant l'avance de Daesh. Mais ce n'est pas Daesh. C'est l'armée irakienne qui revient en force à travers la bannière de Daesh. C'est pour cette même raison que vous assistez à des crimes abominables en Irak, hein, parce que les principaux officiers de cette armée de Saddam Hussein, ainsi que beaucoup de militaires, étaient d'obédience laïque. Donc la foi pour eux n'existait pas. Hein. C'est ce qui explique pourquoi ils se déchaînent contre leurs opposants. Ils n'agissent pas comme de vrais musulmans, ils agissent comme des nationalistes. D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe avec Daesh. Hein. Le groupe Daesh a exploité la bannière islamiste à des fins strictement nationalistes hein, pour essayer de récupérer le territoire irakien. Et lorsque Daesh reprendra le contrôle de ce territoire, ben, on va se retrouver dans la même situation. Hein. Vous verrez qu'avec le temps, le pays va se laïciser à nouveau parce que la majorité des troupes de Daesh, c'est des anciens militaires laïcs. Bon, je reviens à la thématique de cette vidéo. Oui, voilà, vous voyez, sur la vidéo, vous avez une affiche là, vous savez, Punish of a Musulman, 3 avril. C'est la fameuse missive Starlet qui aurait été envoyée à plusieurs familles musulmanes en Angleterre et dans plusieurs villes anglaises. Et dans cette lettre, on demande à tout citoyen de s'attaquer à un musulman à partir du 3 avril. Oui, c'est effrayant hein, jusqu'où on peut aller. Hein. Et ce qu'il faut préciser, que ce sont bien le jeu de nos médias qui ont créé ce système. C'est-à-dire, pour ceux qui ne comprennent pas, actuellement, nos médias sont en train de fabriquer ce qui a comment dire, créé le génocide des Juifs en 40. Ils sont en train de refaire la même chose avec les musulmans. C'est dramatique à dire. Hein. Le drame dans cette histoire, c'est qu'à travers beaucoup de ces médias, vous avez des lobbies juifs qui les contrôlent. Donc eux, ils poussent encore plus cet extrémisme de droite, hein, puisqu'ils sont en guerre contre les islamistes aussi. C'est-à-dire, ils sont en train de stimuler un mouvement qui les aurait anéantis dans les années 40, mais là, ils s'en servent à nouveau pour se débarrasser des musulmans. Vous voyez un peu le machiavélisme des lobbies juifs, hein. On lui dit que les juifs se font réprimer partout, mais non, non, ils détiennent le monopole de beaucoup de médias. Hein. Donc en France, par exemple, quand on oriente la thématique de certains reportages contre le musulman, c'est pas par hasard. Hein. C'est parce que derrière, vous avez des francs-maçons, des lobbies juifs qui se cachent. Et puis n'oublions pas que derrière le réseau médiatique, l'oligarchie en a pris le contrôle. Hein. Donc, et puis cette oligarchie est plus ou moins athée. Hein. La franc-maçonnerie composerait une partie de cette oligarchie aussi. Hein. Il ne faut pas oublier qu'en France, nous sommes régis par une république laïque d'obédience franc-maçonne. Donc, si vous leur parlez d'antéchrist, si vous leur présentez un antéchrist maléfique, ils vont applaudir. Mais si vous leur dites que cet antéchrist n'est pas vraiment celui qu'on nous fait croire et qu'il va probablement s'attaquer aux intérêts de ces oligarchies, ben là, je pense que le pouvoir en France va commencer à sévir contre ce grand monarque. Et d'ailleurs, si ce grand monarque est déjà né, je pense que cette répression a déjà commencé. Quand je dis répression, entre parenthèses, hein, mais je pense qu'il est très bien surveillé et on doit, lorsqu'il va commencer à agir, je pense qu'il se fera convoquer
assez rapidement par, j'allais dire, par, pas par le gouvernement, mais par les commissariats de sa ville. Bah oui. Parce que le gouvernement doit être conscient de l'existence de cette personne. Puisque je disais dans une précédente vidéo, je crois même que dans certaines casernes, on réceptionnerait du matériel extraterrestre qui serait lié à cet antéchrist. Mais vous allez me dire, mais pourquoi alors, que se passe-t-il? Pourquoi l'armée contrôlerait des appareils, soi-disant venant de civilisations extraterrestres, hein, qui seraient liés à l'activité de l'antéchrist, hein, du grand monarque? Et que lui, on ne le voit pas, c'est que, je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, probablement que ce grand monarque serait d'origine arabe, donc il correspondrait en fait au Mahdi attendu par les musulmans. Ben là, c'est vraiment le, c'est pour un gouvernement laïque d'obédience franc-maçonne, c'est impensable de laisser une telle personne gouverner dans le pays. C'est pour ça que dans la Bible, on nous dit que celui qui le retient doit disparaître. Et si, dans mon esprit, je pense que celui qui retiendra l'antéchrist dans le futur sera les autorités, le gouvernement et les autorités militaires dans notre pays, je pense qu'on va droit vers une catastrophe nationale. Parce que vous le savez, dans la Bible, c'est écrit que ce grand monarque, c'est-à-dire cet antéchrist, régnera sur le monde. Donc, pour qu'il puisse commencer sa politique, il faudra bien qu'il se débarrasse de celui qui le retient. Et que va-t-il se passer selon vous? Oui, dans beaucoup de prophéties, on nous annonce le déclenchement d'une guerre civile. Mais comment se fera-t-elle cette guerre civile? Eh bien, probablement qu'il va y avoir des aberrations climatiques, hein, qui vont ruiner une partie de l'économie de ce pays, hein, et accroître l'injustice dans le pays. Les gens auront de plus en plus faim et logiquement, ça va dégénérer en petits conflits. Hein. Ça va être des petites attaques. Hein. Les gens vont se jeter dans les grandes surfaces pour se servir gratuitement. Hein. Ensuite, ça va dégénérer en petits conflits armés, et puis après, ça va être une guerre civile. Ben là, je vous ai parlé d'une chronologie, hein, mais bon, caprice climatique, population qui a faim, et premier dérapage sécuritaire entre une partie du peuple et les autorités du pays. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, quand je écoute les médias et on nous dit que il risque d'y avoir une guerre civile entre les chrétiens et les musulmans, je souris quand même parce que déjà, bon, les chrétiens, il n'y a pas de chrétiens en France, c'est un pays complètement déchristianisé. Il y a un peuple de France, certes, mais en face, c'est pareil, on nous dit les musulmans, mais vous savez, les nouvelles générations, ne connaissent pas grand-chose de la religion. Hein. Vous savez, ces attaques, ces soi-disant terroristes djihadistes ne connaissaient rien du Coran et de la religion islamique. Hein. S'ils l'avaient bien lu, je pense qu'ils n'en seraient pas arrivés là. Surtout que lorsque vous allez dans un pays non musulman et que vous allez perpétuer des attaques dans ce pays en sachant que vous avez une communauté musulmane qui y habite, c'est vraiment mettre en danger cette communauté. Donc, s'ils avaient un peu du genre, ces soi-disant terroristes, ils réfléchiraient avant d'agir quand même. Parce que, vous voyez, comme la manifestation en Angleterre, là, on commence à avoir des manifestations, on commence à à envoyer du courrier à certaines familles musulmanes pour les menacer. Hein. Voilà. C'est un peu ce qui se passait en 40 ans. Vous savez, quand le nazisme a commencé à prendre du pouvoir, les juifs, ça s'est fait par étapes. Hein. On a sorti une petite loi pour interdire le commerce aux juifs. Ensuite, on a sorti une petite loi pour que les juifs n'intègrent pas l'administration. Ça s'est fait progressivement. Et oui, pour ça, aujourd'hui, quand on regarde nos médias... Parce que le problème avec nos médias, c'est qu'ils stimulent la montée des mouvements populistes en permettant à des partis d'extrême droite de prendre le pouvoir dans le futur. L'oligarchie se protège parce que les mouvements d'extrême droite ont une idéologie capitaliste de droite, hein, faut pas l'oublier non plus, c'est pas des communistes. Hein. Donc le patronat, lui, n'aura rien à craindre de l'idéologie et de la politique économique que mèneront ces mouvements d'extrême droite. Hein. C'est pour cette raison que certains patrons encouragent même ces mouvements d'extrême droite. Mais bon, le problème, c'est que ces journalistes, tous ces journalistes, ces magazines qui passent leur temps à fabriquer des thématiques et des reportages contre le musulman, contre Daesh et tout ça, il faut qu'ils comprennent que dans le futur, parce que nous ne sommes plus en 40, hein, ici, quand le grand monarque vient,
venait à venir dans le futur, je pense qu'il serait aussi jugé hein, pour complicité de crime contre l'humanité. Hein. C'est bien de dire que vous faites un travail de journaliste. Non, c'est pas un travail de journaliste, vous faites de la propagande pour des mouvements d'extrême droite. C'est pas la même chose. Hein. Même quand vous faites un reportage sur Daesh ou d'autres groupuscules, vous savez très bien que vous êtes en train de monter des communautés contre des autres. Bon, je vous dis à la prochaine pour notre vidéo. Hein. Le 3 avril, ça c'est demain. On va voir ce qui va se passer en Angleterre hein, le 3 avril. Parce que ce genre de courrier dont vous voyez un peu l'exemplaire dans la vidéo, là, ça ne peut être avoir été envoyé que par des mouvements d'extrême droite. Hein. Puis l'oligarchie britannique s'en frotte les mains, hein, puisque ça l'arrange. Hein, ça, comme ça, on crée un conflit ethnique dans le pays, puis on pense plus aux problèmes sociaux, hein, surtout à l'injustice que génère le système économique capitaliste. D'ailleurs, la Grande-Bretagne a toujours été un grand pays capitaliste. Hein, vous avez toujours eu une police ultra répressive hein, au service de cette minorité régnante. Hein. En Europe, les bourgeoisies ont toujours eu le dessus hein, sur les gouvernements. Hein. Les policiers, les gendarmes que vous voyez, certes, ils servent la République, mais à travers leur travail, c'est bien les intérêts des bourgeoisies qu'on protège. Hein, faut pas l'oublier non plus. Puis ces bourgeoisies ne servent pas l'intérêt de leur peuple, surtout du peuple. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.